Mission accomplie pour le PSG qui s'est qualifié pour la finale de Coupe de France face à Nantes ce soir au Parc des Princes, grâce notamment à un but de Marco Verratti. Et oui, l'Italien est à son deuxième but en trois matchs, que ce soit avec le PSG ou la sélection nationale. On ne l'arrête plus, hein. Peut-être est-ce un déclic. En tout cas, devant les buts, il tente, mais surtout, il réussit. Alors, le match a aussi été marqué par le recours à l'assistance vidéo et surtout au pénalty raté de Kylian Mbappé. Heureusement pour lui, il a eu une seconde chance puisqu'il a transformé le deuxième pénalty pour justement donner l'avantage aux Parisiens. Autre point important, ça a été le retour de Draxler et Daniel Vest qui étaient jusque-là à l'infirmerie. Donc Thomas Tuchel l'avait évoqué en conférence de presse hier. Il ne savait pas s'il pouvait compter sur ces deux joueurs. Et puis finalement, ça a été le cas. Et puis surtout, Daniel Vest s'est remis très vite dans le bain puisqu'il a été l'auteur d'un magnifique but qui a scellé donc le destin des Nantais.